Est-ce que vous avez proposé un petit Danse avec les Stars, Marina ? On m'avait proposé une fois, oui, absolument. Ah, vous voyez, j'en étais sûre. C'est vrai, il y a quelques années, 4-5 ans, je ne me souviens plus. Et pourquoi vous avez dit non ? Parce que je ne vois pas ce que je ferais là. Mais Marina, on a tous envie de vous voir danser, une petite samba. Mais oui, mais moi, je serais très mal à l'aise. Ah ouais ? Ah ouais, non, moi, je... C'est quoi ? C'est vous complexez ou... C'est que je danse que dans une sphère privée, que je serais incapable de me montrer... Non, mais je ne m'aime pas du tout. Je danse que dans une sphère... Mais non, mais je m'aime pas beaucoup. Ouais. Vous ne m'aimez pas beaucoup, c'est non, marrant. Je ne me suis jamais aimée, moi. Jamais, physiquement, je ne me suis jamais aimée. Qu'est-ce qui bloque ? Rien, je suis pas, j'ai pas du tout une passion pour moi. Donc je vais pas aller me montrer. C'est drôle quand vous dites ça, c'est les gens qui nous regardent, Marina. Vous faites un métier où on vous regarde tous les jours. Ben, c'est étonnant de dire ça. Mais je ça. Me regarde pas, hein. Mais je me regarde pas à la télé. Vous vous regardez pas à la jamais, télé. Jamais, jamais. Donc et voilà. Qu'est-ce que vous aimez le moins en vous ? Rien. Il y a rien. Ah, d'accord, il y a rien que vous aimez, même non. Pas vos jolis yeux. Mes yeux, c'est à peu près la seule chose que j'aime bien. D'accord. Mais avec le temps, je deviens plus indulgente, hein, avec d'accord, moi quand même. Okay. Mais sûrement pas pour aller m'exposer dans une émission comme ça avec les stars. C'est une question de psychologie de comptoir, mais vous avez tenté quelque chose pour apprendre peut-être à mieux vous aimer ou... Non, avec le temps, parce que j'ai jamais eu aucune confiance en moi. Avec le temps, il y a deux choses qui m'ont donné confiance, un peu confiance en moi. C'est mes enfants, parce que je les trouve bien, même si je ne les ai pas fait tout seul, donc je suis qu'à moitié responsable, mais c'est surtout mes romans.